Maintenant, quand le péché est ôté, nettoyé, vous ne devez plus vous sentir coupable. Je ne sais pas combien de temps vous gaspillez à culpabiliser, mais si vous vous êtes repenti de quelque chose et que vous vous sentez toujours coupable, je veux parler du moyen de s'occuper efficacement du péché, car nous ne pouvons vraiment pas l'ignorer. Nous savons tous qu'il y a des choses dans nos vies que nous devons travailler avec Dieu pour conquérir et vaincre, et la culpabilité interrompt toujours notre intimité avec Dieu. Nous devons arriver au point où nous savons faire quelque chose au sujet du péché autre que se sentir coupable et avoir mauvaise conscience tout le temps. Mon principe ce week-end est que plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous devenons puissants. Et je veux aussi vous dire que plus vous passez du temps avec Dieu, plus vous lui ressemblez. On ressemble à ceux qu'on fréquente régulièrement. Donc, si vous passez plus de temps dans la parole, plus de temps à réfléchir et à méditer sur la grandeur de Dieu, sur le caractère de Christ, Jésus est venu nous montrer Dieu. Il dit « Celui qui m'a vu » a vu le Père. Si vous passez plus de temps à étudier le caractère de Dieu et à lui demander de vous rendre comme lui, vous deviendrez comme lui. Je crois que plus nous tombons amoureux de Jésus, le péché ne nous intéressera plus tout simplement. En fait, la Bible dit que l'amour de Dieu nous contraint ou nous contrôle. Donc, prenons un simple exemple. Mon exemple, je voulais arrêter de fumer. Je fumais des cigarettes depuis l'âge de 9 ans. Quand je suis entrée dans le ministère, c'était une chose que j'ai sentie que je voulais et que je devais arrêter. Et j'ai eu vraiment du mal à faire ça. Et à vrai dire, quand j'ai arrêté, je ne voulais toujours pas arrêter, mais j'en étais au point où je voulais plaire à Dieu plus que je ne voulais fumer. Et donc, beaucoup de fois, nous luttons avec des choses, et ce que nous devons faire, c'est de prendre un peu plus de temps pour avoir une relation avec Dieu. Laissez Dieu vous aimer jusqu'à votre guérison. Apprenez à l'aimer. Apprenez à quel point il est beau, à quel point il est merveilleux, à quel point c'est étonnant que vous puissiez avoir une relation avec Dieu. Et je crois de tout mon cœur, parce que je l'ai expérimenté et c'est confirmé dans la parole de Dieu, que dans peu de temps, vous ne lutterez plus avec certaines choses avec lesquelles vous luttez en ce moment. Ne croyez pas que vous devez vous améliorer avant d'avoir une relation avec Dieu. Dieu n'est pas surpris par votre comportement. Il savait tout sur vous avant de vous inviter à une relation avec lui. Et la parole dit qu'avant la fondation du monde, Christ nous connaissait déjà et nous avait choisis et appelés à être siens. Vous n'êtes donc pas obligé de vous améliorer avant de venir à lui. Il vous accepte comme vous êtes. Il ne vous aimera jamais plus qu'il ne vous aime en ce moment même. Mais plus vous l'aimez, plus vous allez vouloir faire ce qui est juste. Plus vous savez qui vous êtes en Christ, que vous êtes justifié devant Dieu par le sang de Christ, plus vous voudrez faire ce qui est juste. Dieu ne nous dit jamais de faire quelque chose sans nous équiper pour le faire. Il ne nous dit pas « ne faites pas ça et faites ça s'il nous est impossible de le faire ». Donc aujourd'hui, je veux vous parler de quelques angles différents de tout ce problème du péché, car nous savons que c'est un problème et ça ne nous sert à rien de l'ignorer. Comment pouvons-nous nous occuper efficacement du péché? Nous allons retourner à quelque chose que j'ai déjà dit sur l'intimité ce week-end. J'ai dit que les deux choses dont nous avons besoin pour avoir l'intimité avec Dieu sont la vérité et un investissement de temps. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a un chemin et il nous prescrit de le prendre. Il y a une vérité qu'il veut nous révéler. Et si nous recevons cette vérité pour nous-mêmes et au sujet de nous-mêmes, à ce moment-là, nous aurons cette vie, ce genre de vie, cette vie Zoé dont parle Dieu. En fait, un des tout premiers versets que Dieu m'a révélé, quand j'ai d'abord commencé à étudier sérieusement la parole, il y a 35 ans, était Jean 8, 31 et 32. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra vraiment libre. » Vous voyez, la triste vérité est que beaucoup de gens aiment Dieu, mais ils sont très trompés. Ils ont de mauvaises façons de penser.
Ils pensent des choses sur eux-mêmes. Ils pensent des choses sur leur passé, sur leur avenir. Ils pensent même des choses sur Dieu qui ne sont absolument pas vraies. Par exemple, puis-je vous annoncer aujourd'hui une bonne nouvelle, comme quoi Dieu n'est pas fâché de vous? C'est la vérité. Je veux que vous compreniez que Dieu n'est pas fâché de vous. Mais vous savez, je crois que la plupart des gens ont ce sentiment vague, que Dieu est un tout petit peu fâché, et que s'ils font un tout petit effort, peut-être qu'ils pourront l'apaiser. Eh bien, Dieu n'est peut-être pas content de toutes les choses que nous faisons, mais il ne voit pas seulement ce que nous faisons, il voit qui nous sommes en lui. Je n'aime pas tout ce que font mes enfants, mais je n'arrête jamais de les aimer. Je ne sais pas si je pourrais un jour les aimer plus que je ne les aime en ce moment, mais il y a des choses chez chacun d'eux, aussi bien que chez moi, qui devraient changer et s'améliorer. Et ce changement de choses pourrait même aider notre relation personnelle. Vous voyez, plus vous changez, plus vous pouvez expérimenter cette intimité avec Dieu que Jésus vous a acheté par son sang. Plus nous lui ressemblons, plus nous ressemblons à ce qu'on fréquente, plus vous communiez avec lui, plus vous sentez que vous le connaissez. Donc je vous invite aujourd'hui à cette relation qui nous a été achetée par le sang. Dieu vient vivre en nous par la puissance du Saint-Esprit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Une relation intime. Il envoie son Saint-Esprit pour donner une étroite communion avec Dieu. J'ai passé un temps avec Dieu ce matin. N'est-ce pas étonnant que vous puissiez arriver à votre lieu de travail et penser « J'ai passé un temps avec Dieu ce matin ». Nous ne parlons pas du voisin d'à côté, ni du facteur, ni de l'employé de l'épicerie. Vous pouvez passer un temps avec Dieu. J'ai parlé à Dieu ce matin. Il m'a donné une direction pour ma journée. En fait, j'allais faire une chose après la fin de cette conférence. Je rentre d'habitude à la maison après mes conférences, mais nous allons rester pour faire le service religieux demain matin et ensuite faire partie du séminaire des pasteurs demain. Donc j'avais cet après-midi et j'ai pensé que j'allais faire ceci. Et ce matin, pendant que je parlais au Seigneur, il m'a dit « Ce serait vraiment mieux pour toi si tu fais cela. » Dieu veut tout organiser dans vos affaires. Le saviez-vous? Non, mais il veut être en plein milieu de tout ce que vous faites. Vous voyez, certains ne veulent pas ça. Ils ne veulent que Dieu soit impliqué que quand ils sont désespérés. J'ai une nouvelle à vous apprendre. Vous êtes désespérés tout le temps, mais vous ne l'avez pas encore compris. Amen. Donc, nous allons commencer par le psaume 32. Il nous donne une petite introduction aux souffrances du péché. Merci Seigneur pour cette parole aujourd'hui. Révèle-la exactement comme tu veux qu'elle soit révélée et fais que tout le monde prête attention ici et la comprenne. Au nom de Jésus. Amen. Bienheureux, heureux, chanceux et à envier celui dont la transgression est continuellement pardonnée, l'homme dont l'offense est enlevée et dont le péché est couvert. La bonne nouvelle est que selon la Nouvelle Alliance, ceci a été écrit dans l'Ancien Testament, selon la Nouvelle Alliance, notre péché n'est pas couvert, il est nettoyé. Il est ôté et supprimé. Et la Bible dit que Dieu non seulement nous le pardonne, mais encore l'éloigne, autant l'Orient est éloigné de l'Occident et il ne s'en souvient plus. Maintenant, quand le péché est ôté, nettoyé, vous ne devez plus vous sentir coupable. Je ne sais pas combien de temps vous gaspillez à culpabiliser, mais si vous vous êtes repenti de quelque chose et que vous vous sentez toujours coupable, à ce moment-là, soit vous êtes trompé, soit vous ne croyez pas que Dieu peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire. Bienheureux, heureux, chanceux et à envier, l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Béni est l'homme qui fait face à la vérité et ne vit pas avec un esprit complètement aveuglé. Savez-vous combien c'est facile de se tromper soi-même à propos des choses? Tant que je me suis tue avant de confesser, mes os se consumaient, je gémissais tout au long de la journée. Quelqu'un peut se rappeler ce gémissement qui a eu lieu dans votre vie comme « Oh !» Vous ne saviez même pas de quoi vous gémissiez.
Je dois rentrer à la maison maintenant. Je dois payer les factures. Car nuit et jour, ta main de mécontentement pesait sur moi. Ne croyez pas que Dieu va vous laisser tranquille dans votre péché. Il ne le fera pas. Il vous poursuit pour un bon but dans votre vie. Je pensais avant Dieu, si tu me montres encore une chose qui ne va pas chez moi, je vais juste... Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne peux plus supporter voir une chose de plus. Tu ne peux pas me laisser tranquille pendant un petit moment. Et puis j'aime surtout ce verset qui dit « Celui que l'Éternel aime, il le châtie. Il lui dit ses défauts. » Parfois je pensais « Pourrais-tu m'aimer un peu moins aujourd'hui ? » Je crois que j'ai vu tout ce que je peux supporter de voir. Mais vous savez quoi ? Je ne le dirai jamais à Dieu maintenant. Je ne veux plus jamais qu'il me laisse tranquille. La pire condition dans laquelle nous puissions jamais être, c'est de ne jamais changer. Si vous croyez que vous craignez le changement, pensez à rester comme vous êtes. Maintenant, ceci, frères et sœurs, est une pensée effrayante. Je suis si reconnaissante que nous ayons l'espoir de changer. Seul Dieu ne change jamais, mais il n'y a rien d'autre qu'il ne puisse pas changer. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions au Seigneur, dévoilant continuellement le passé jusqu'à ce que tout soit raconté. Et toi, tu as instantanément pardonné l'iniquité de mon péché. Posez et pensez-y calmement. C'est pourquoi ce pardon amène tout homme pieux à prier le jour où il te rencontre. Certainement, quand les grandes eaux des épreuves débordent, celles-ci n'atteindront pas son esprit. Maintenant, écoutez ça. Car tu es mon asile. Toi, Seigneur, tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants et de cris de délivrance. Amen. Maintenant, je crois que plus nous avouons tout à Dieu, et rappelez-vous, il sait tout de toute façon. Pourquoi est-ce donc important que nous lui disions tout? Pourquoi est-ce important que nous verbalisions et que nous confessions ces choses à Dieu? Parce que je crois que bien des fois notre langue ressemble à une louche. Elle descend à l'intérieur et sort des choses dont nous pouvons nous débarrasser. Nous avons besoin de la confession. Vous avez entendu le proverbe, la confession est bonne pour l'âme, et c'est vrai. C'est vrai. Je me rappelle une époque où j'essayais de prier sans avouer un péché que j'avais commis. Et je disais, « Oh Seigneur, pardonne-moi s'il te plaît, je l'ai manqué. » Car le mot péché veut dire « manquer l'objectif ». Mais je ne voulais pas dire ce qu'était mon péché, donc j'ai dit « je l'ai manqué ». Et le Saint-Esprit m'a dit tout de suite « manquer quoi ? Parlons-en. » Je veux l'entendre. Appelons-le par son nom. Mais vous savez, nous aimons beaucoup de fois éluder les choses parce qu'elles sont si laides que nous ne voulons même pas les mettre au grand jour et en parler. Et si vous luttez vraiment avec quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous libérer, une des choses les plus saines que vous puissiez faire, c'est de trouver un ami spirituel ou un membre de la famille en qui vous avez vraiment confiance et lui raconter ce qui se passe dans votre vie et dire « priez pour moi ». La Bible nous enseigne qu'il y a des moments où nous confessons nos péchés les uns aux autres afin que nous soyons guéris et rétablis à un ton spirituel de la pensée et du cœur. Beaucoup de gens sont malades à cause des secrets qu'ils gardent. Amen. Il n'y a rien que vous puissiez raconter à Dieu qu'il ne sache pas déjà, et rien qui puisse le choquer, et rien qui l'empêche de vous aimer jusqu'à ce que vous soyez guéri. Commencez donc par tout avouer à Dieu. Parlez-lui de la douleur dans votre vie. Parlez-lui de vos déceptions. Parlez-lui de ce que vous ressentez et ensuite, après avoir tout avoué, décidez de croire la parole. Et sachez que Dieu et Dieu seul peut vous pardonner et vous donner la guérison. Jean 16, 7. De temps en temps, j'ouvre Jean 16 le matin et je lis sur le merveilleux ministère du Saint-Esprit. J'aime me revigorer dans ces principes bibliques puissants que je connais déjà. Il y a quelque chose de merveilleux quand on regarde les mots sur la page. Nous allons donc mettre sur le rétroprojecteur et vous permettre de les regarder.
Jean 16, 7. Cependant, je ne vous dis que la vérité quand je vous dis qu'il vous est bénéfique, bon, opportun, avantageux que je m'en aille. Jésus dit, il sera mieux pour vous que je m'en aille. Mais comment serait-ce possible? Cela veut dire que nous sommes plus privilégiés que les 12 disciples qui ont voyagé et mangé avec Jésus. Nous sommes plus privilégiés. Vous voyez, nous pensons, oh non, ce serait tellement mieux si nous pouvions le voir. Vous voyez, c'est vraiment mieux de croire. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dieu nous donne une mesure de foi pour que nous puissions entrer dans le royaume invisible avec un cœur de foi, et cela peut être aussi réel pour nous, comme si c'était ici devant nous. Quel est ce privilège? Parce que Jésus ne pouvait être que dans un seul endroit à la fois, mais le Saint-Esprit peut être partout, tout le temps. Il peut me parler à moi et à vous tous, me mener et vous mener, tout en même temps. Nous ne sommes jamais quelque part où il n'est pas. Nous ne devons pas essayer d'arriver à lui. Il vit à l'intérieur de nous. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, maintenant c'est ce qui vit en vous, le Consolateur, le Conseiller, l'Aide, l'Avocat, c'est comme un avocat qui combat pour vous, l'Intercesseur, celui qui vous fortifie, et celui qui se tient prêt. J'aime ça, celui qui se tient prêt. Avez-vous jamais été en stand-by pour voyager? Vous vous tenez prêt au cas où il y a une place disponible. C'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Il se tient prêt au cas où nous lui donnons une petite ouverture dans notre vie ou que nous ayons besoin de lui. Il est toujours là. Le Consolateur, le Conseiller, l'Aide, l'Avocat, l'Intercesseur, celui qui nous fortifie, celui qui se tient prêt, ne viendra pas vers vous en communion étroite avec vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai pour qu'il soit en communion étroite avec vous. Pouvons-nous prendre un moment et nous imbiber de cette vérité? Comme quoi nous pouvons avoir une communion étroite et intime avec Dieu. Bonté divine, comme c'est merveilleux. C'est fantastique. Vous savez, même si Dieu ne résolvait aucun de nos problèmes, nous serions toujours privilégiés. Le saviez-vous? De dire que nous avons ce genre de relation personnelle avec Dieu et l'espérance de la vie éternelle. Cette vie est très courte. Nous devons vivre davantage pour l'éternité. Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Mais quand lui, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui donne la vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Oh. Vous savez, nous sommes légalement sanctifiés par le sang de Christ, mais la sanctification, qui veut dire la sainteté, est mise au point dans notre vie, à des degrés variables par le travail et la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous sanctifie, puis il nous apprend à revêtir la sainteté. Il nous justifie devant lui, puis il nous apprend à revêtir la justice. Je fais cette chose parfois dans les réunions où je demande à Dave de monter et de faire semblant d'être Dieu, et moi je suis le pécheur. Et je porte ce vieux terrible manteau chiffonné qui est sale et tout déchiré. Et il est grand et il porte cette belle et longue robe blanche. Et il prend mon manteau sale de péché et il me donne sa belle robe de justice. Eh bien, évidemment, Dave est plus grand que moi, donc la robe est extrêmement énorme sur moi. J'ai même fait une chose une fois où j'ai mis sur la couverture d'un album d'enseignement la photo de mon petit-fils portant cette robe. Et il était petit garçon, donc il flottait là-dedans. Et j'ai dit, c'est ce que nous ressentons et de quoi nous avons l'air quand Dieu nous donne sa justice. Il nous donne sa justice comme un cadeau, mais nous devons y grandir maintenant. Amen. Donc vous êtes justifiés devant Dieu. Maintenant, tous les jours de votre vie et de ma vie, le Saint-Esprit se consacre à travailler sans arrêt avec nous et en nous pour que nous revêtions cette justice, pour que nous revêtions cette sainteté. Et vous savez quoi? Nous devrions nous enthousiasmer pour grandir en Dieu. Nous devrions nous enthousiasmer pour faire face à la vérité et voir les choses que nous faisons et que nous ne devrions pas faire pour pouvoir demander à Dieu de nous aider à changer. Il n'y a vraiment rien de pire que d'être trompé et de croire des mensonges. Combien de mensonges que Satan m'avait dit, ai-je cru pendant toute ma vie? Et il y a des gens ici aujourd'hui qui croient des mensonges et ne le savent même pas. Car quand vous êtes trompé, vous ne savez pas que vous êtes trompé. Vous croyez que vous avez la vérité,
Mais ce n'est pas vrai. C'est pourquoi nous devons comprendre que la Bible est notre seule et unique vérité. Je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui essayent de dire qu'il n'y a pas de vérité absolue et que la vérité est en rapport à ce qui se passe dans votre vie en ce temps-là. Eh bien, je suis désolée, mais Jésus a dit « Je suis la vérité ». Je suis la vérité. Vous ne pouvez pas prendre la parole de Dieu et dire « Eh bien, vous savez, Non, mais je vais dire une chose. D'habitude, ça exaspère certains quand je le dis, mais ce n'est pas mon intention d'offenser, mais tant de gens vivent ensemble aujourd'hui sans être mariés. Et ils pensent « Eh bien, tu sais, c'est... » Non, mais allez, Joyce, c'est le 21e siècle. Autre temps, autre mœurs. Et vous savez quoi? Je vous dis ça parce que je sais que quelles que soient les excuses que nous trouvons pour la mauvaise vie, nous savons au tréfonds de nous, nous savons que ce n'est pas bien. Alors retournons donc au psaume 32. Avant d'avouer mon péché, tant que je l'ai gardé caché, tant qu'il y avait de la tromperie dans mon esprit, mes os se consumaient et je gémissais et je grognais toute la journée. Je veux seulement vous aider, je vous l'assure. Je ne veux pas vous condamner, je n'essaye pas de vous donner mauvaise conscience, je veux seulement, en fait, vous aider. Mais nous devons avoir une vérité à laquelle nous accrocher. Quand j'essaye de lire des livres comme ça, je dis vraiment, « Non, mais je m'y perds franchement après 2 ou 3 pages. Comment est-ce qu'on invente sa propre vérité ? » Combien ce serait idiot ? Vous pouvez le faire si vous voulez, mais vous en subirez les conséquences. Et ce qui arrive ensuite, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens choisissent ces styles de vie bizarres et ensuite ils blâment tous les autres quand les choses ne vont pas comme il faut dans leur vie. Et si vous voulez savoir la vérité, je dis ces choses surtout aux multitudes de gens qui nous regardent à la télé et même à certains d'entre vous qui sont ici aujourd'hui. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont arrangé ces choses dans leur vie. Et je n'aime pas même m'embarquer dans ces trucs car tout le monde aimerait que vous leur disiez à quel point ils sont merveilleux. Mais le Saint-Esprit ne m'a pas tapoté sur la tête et ne m'a pas dit à quel point j'étais merveilleuse. Il m'a dit des choses que je ne voulais pas écouter. Mais c'était la vérité seule qui m'a libérée. Et vous savez quoi? Ce n'est pas ma responsabilité de prêcher un message qui va vous rendre comme moi. C'est ma responsabilité d'enseigner la vérité et ce que je suis menée par le Saint-Esprit à enseigner. Et peut-être que vous n'aimez pas tout ce que je dis, mais je crois vraiment que si vous suivez l'enseignement que j'essaye de vous donner, éventuellement vous m'aimerez bien à la fin. Non, mais il y a des gens qui m'ont dit, « Quand j'ai d'abord essayé d'écouter ton enseignement sur le CD, je n'ai pas supporté plus de 15 minutes à la fois et tu m'exaspérais tellement que je voulais t'étrangler. » Vous savez pourquoi? Parce que la vérité est choquante. Non, mais quand nous vivons dans la tromperie et les excuses et l'apitoiement sur moi-même et le blâme et l'évasion et la fuite, savez-vous combien nous blâmons les autres personnes de ce qui ne va pas dans nos vies? Eh bien, c'est mon passé, c'est parce que j'étais ceci, c'est à cause de cela. Vous savez, je n'avais pas ceci, je n'avais pas cela, je n'ai pas eu un bon début dans la vie. Mais tôt ou tard, vous devez prendre la responsabilité de là où vous en êtes pour aller de l'avant et avoir l'avenir que Jésus est mort pour que vous ayez. J'aime ça. L'esprit de vérité vit à l'intérieur de nous. Dieu merci, nous ne sommes pas obligés d'être trompés. Quand l'esprit de vérité sera venu, l'esprit qui donne la vérité, il vous conduira dans toute la vérité complète. Il ne dira pas son propre message de son propre chef, mais il dira tout ce qu'il aura entendu du Père. Il donnera le message qui lui a été donné et il vous annoncera et vous déclarera les choses qui vont arriver et les choses qui arriveront à l'avenir.
Il m'honorera et me glorifiera, car il prendra, recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, le déclarera, le révélera et le transmettra. J'aime ça. Écoutez, tout ce que le Père a est à moi. Il dit, tout ce que le Père a est à moi. Jésus dit, tout ce que le Père a est à moi. Si nous reculons d'un verset, il dit aux disciples, il y a encore beaucoup de choses que je dois vous dire et vous enseigner, mais vous n'êtes pas encore prêts. Je vous enverrai donc le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et il demeurera et vivra au-dedans de vous, et il vous fera accéder à la vérité tout entière, afin que tout ce que j'ai et que le Père m'a donné, je puisse vous le transmettre à vous par la puissance du Saint-Esprit. Ouh, alléluia! 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 Le psaume 32:1 dit « Bienheureux, heureux, chanceux et à envier, celui dont la transgression est continuellement pardonnée, dont l'offense est pardonnée et dont le péché est couvert. » Le moyen efficace de s'y prendre avec le péché, c'est de croire que le Christ vous a nettoyé de votre péché. C'est toujours le premier pas. Et ensuite, Dieu vous mènera pour vivre libre de la condamnation et aussi pour vaincre le péché. Vous savez, il y a beaucoup de batailles que nous livrons dans la vie, mais nous ne devons pas les livrer. Nous pouvons laisser Dieu combattre à notre place, car la bataille appartient vraiment au Seigneur.